les falaises de la folie. Je rappelle qu'au niveau 33 et un tiers de la barre, je pourrais améliorer la lame d'Artemis niveau max. Donc on y est bientôt. On y est bientôt. Et je pense que je pourrais utiliser la lame d'Artemis à la place de Nubako après, parce que je pense qu'à ce moment-là, ça va être un peu plus puissant. Tu m'as pas dit du coup, j'ai regardé. Bah j'ai dit avec ma tête, parce que j'allais pas parler pendant la cinématique quoi. Si je ferais qu'un live, oui, mais vu que bah, je fais aussi une VOD, je pensais, j'espérais que t'aurais regardé avec ma tête. Mais bon, bon bah ça, c'est pas grave, mais ouais, là c'est un peu... c'est un peu tout spoil. Bon, tout non, mais... Bon, d'ici là, il faut que t'oublies en fait, d'ici là, il faut que tu sois en mode je m'en fous. T'oublies, ça va. Bon, c'est stylé. Ah bah ouais. Ouais, c'est stylé, ouais. Je suis d'accord. Je suis autiste. Hein. Je dois vérifier qu'il y a vraiment rien là. Je sais que j'ai regardé. Hein. Mais je devais re-regarder. Allez, me fais attaquer. Vous savez qu'un un go de foire avec une corde sans ennemi. Prends la main. Bizarre. Hein. Je leur roule dessus. Je me souviens que tous les gens que j'ai vu jouer au jeu, quand ils étaient à ce moment-là du jeu, ils défonçaient pas les gens comme ça. Et pourtant ils jouent en facile hein, je crois. Donc là mes lames améliorent à fond, c'est abusé. Mais les gens ils sont cons en fait. L'humain, vous êtes... vous vous sentez pas visé, si c'est pas le... vous sentez pas visé, oui c'est pas le cas, mais vous êtes des merdes en fait. Non mais les gens n'ont pas les bonnes priorités. Le mec, qu'est-ce qui se passe, les mecs jouent, ils améliorent quoi? Ils améliorent le regard de Méduse, qu'est-ce qu'on a à foutre en fait? Hein? Moi je sais très bien, tout ça paraît évident, c'est les lames. Les lames. Ça fait 6 ans et demi qu'elles sont améliorées à fond, c'est ultra important. C'est la vie, quoi. Les mecs, j'ai tué en 3 coups. Moi, le mec que j'ai vu jouer, je crois qu'il jouait en facile il y a longtemps. Je sais pas, je crois qu'il avait les lames niveau 4 à ce moment-là. Il venait de les avoir niveau 4. Il faisait 0 dégâts. C'était aberrant. aberrant. Je rappelle que je ne joue pas en facile, je ne joue pas en difficulté dieu parce que bah il faut finir le jeu une fois pour le déverrouiller. Donc bah voilà, comme je l'ai fini pour la première fois là, bah, j'ai pas le mode dieu mais... Mais voilà. Par contre en mode dieu ça doit être dur quand même. je l'accorde que ça doit être très difficile. En fait, je sais que les gens ils sont bêtes aussi, ils savent pas faire les bonnes attaques. Tu sais qu'il y a des gens qui se faisaient chier, notamment le mec que je regardais, à faire que des attaques nulles, qui faisaient qu'on avait l'impression qu'il était impuissant face aux ennemis. En plus du fait qu'il faisait zéro dégâts, bien. Okay.
peux absolument rien faire. C'était mort. Je suis désolé, mais la musique là. Allô? Je commence à en avoir marre là de tout. Baissez le son s'il vous plaît là. Il se passe rien donc calmez-vous. C'est la fin du jeu, c'est pas possible. Là, non, mais la musique, on a gueule quoi. Je peux rien faire, ok. Non! Ah bah au moins. Ah bah alors là ils sont morts, hein. Ça c'est sûr. Hein. Alors là, j'ai aucun doute. Hein. Ah dommage, je voulais pas faire ça. Bon, c'est pas grave, c'est mieux, c'est plus rapide, c'est beaucoup plus. C'est tout mieux en fait. Il est un peu plus énervé celui-ci, moins marrant que l'autre. Hein. Ben au moins, je les défonce comme ça. Oh, la triche. Oh, la triche. Ouais, c'est pas terrible. Et ça, ça marche ou pas? Pitié. Je suis trop bas. Ah si, ça marche bien. Oh, ça marche bien. Hop. Hop. Rappelle que cette attaque, c'est la plus puissante. Hein. C'est surpuissant. Ok. Ça va l'immortalité là? On est dans cette division quoi là. 1 million de PV quoi. J'appuie sur rond. Mais c'est pas possible, je comprends pas. C'est complètement fou. Ok, l'échelle est intéressante, faut que je m'en souvienne. C'est une statue d'Héra. Il semble qu'elle porter un collier autrefois. Dites-moi plus.
C'est une statue d'Aphrodite. Il semble qu'elle portait un collier, autrefois. J'ai vu un coffre, là. Oh, ça me plaît, ça. Oh, le secret. Oh. Ouais, mais... Oh, tout ce que ça m'a donné. Alors, j'améliore à fond. Oh, si je peux me battre avec. En fait, ça risque d'être plus puissant, maintenant. C'est ça, le truc. Non. Un petit dodo, là. En fait, ce qui est incroyable, c'est quand on a tout d'améliorer à fond dans le jeu. Dans un God of War, quand t'as tout amélioré à fond, ça veut dire la fin du jeu est dans moins de 30 minutes. Globalement, ça veut même souvent dire que c'est dans 10 minutes, quoi. 10-20 minutes. Sans compter les cinématiques, mais bon, voilà. Tous les trucs vraiment chiants et chers à acheter, je les ai. Donc, attention. Attention, c'est la fin. L'âme puissante. Parce que ouais, c'est bien le maximum. Donc là, ce que je vais améliorer, c'est ça. 4500, armée d'Hadès. J'espère qu'il n'y a qu'une seule amélioration. C'est possible qu'il y en ait 3, s'il y en a 3. S'il y en a 3, hein, c'est-à-dire que la fin du jeu, elle est dans 600 heures. Oh, elle est rouge maintenant! Moi aussi, je m'endors un peu. De quoi? Mais pour de vrai? Non, moi, c'est du troll, mais... Je m'endors pour de vrai? Non. Non, non, non. Que la colère des dieux guide tes lames, Kratos. On va voir hein, si c'est beaucoup plus puissant que les lames du chaos maintenant, mais... Ça m'a l'air... Ça m'a l'air assez équitable. En fait, je pense que c'est peut-être que tu fais un peu ce que tu veux, quoi. Non, c'est plus fort, ouais, ouais. Ça m'étonnerait pas que ce soit plus fort, mais en même temps, ça m'étonnerait pas aussi qu'ils aient fait bah tu joues avec celle que tu préfères, quoi. Bon, moi, je préfère les lames du chaos, hein. Il n'y a pas de doute, mais je suis... Elle est un peu plus forte, celle-là, quand même. C'est sûr. Déjà, au niveau 0, sachant qu'il y a 3 niveaux, au niveau 0... Enfin, niveau 1, du coup. Elle était plus forte que les lames niveau 4. Sachant que les lames niveau 5 c'est le max. Les lames niveau 5 après étaient plus fortes que tous les niveaux. Sauf je pense le dernier. Le dernier a vraiment rattrapé là. Ouais ouais ça m'a l'air hein. Bah ça m'a l'air un peu plus fort hein. Niveau 4500 j'ai dit donc il me faut combien? J'ai même pas envie de m'embêter à compter plus de 10 en tout cas c'est sûr. Putain, qu'est-ce qu'il gueule le son dans ce jeu? Oh, ça gueule hein. Oh là là. Calmez-vous quoi. Je crois que je vais devenir sourd. Hein. Ce soir, en fait, l'avantage, oh là là, ce soir, je vais me mettre dans mon lit. Quand il y aura plus tous ces bruits, oh là, tout ce bruit, il y a tellement de bruit là. Ah, oh, ça va faire tellement du bien. Oh, je crois que je vais m'endormir en 2 secondes. On devrait, oh là là, mais t'inquiète pas, je risque absolument pas de m'endormir. Ok. Un peu explosé là, peut-être faire attention. Je pense que les archers m'ont bien. J'aurais dû les défoncer avant. C'est eux qui m'ont fait la plupart des dégâts, je pense.
Rouge, c'est sympa l'arme. En fait, en violet, elle est pas... C'est vrai que ça donne pas envie de la jouer, mais en rouge, ça va bien avec Kratos, quoi. Oh non, ils sont pas morts! J'aurais pas dû me soigner. Bah, j'ai paré. Ok. On continue. Oh là. Et je pars, ça marche pas, mais. Ah, attendez, il y a un R1 avec cette arme. Oh. Ouais, ça a l'air d'être nul. En plus, ça a sorti à ton polo et à ta lettre. Ah oui, c'est exprès. Bah attends, t'as pas vu ma manette, hein. Regarde la manette. La manette. Il y a tout qui est rouge. J'ai fait exprès, bah c'est pas. Hey, on joue à God of War. Hein. La couleur c'est le rouge, je me mets en rouge moi. Ouais, regardez-moi ça quoi. Regardez ça quoi, le rouge quoi. Oh ah oui, ici on se met à la couleur du jeu. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça encore? La taille de l'arme, ça n'a aucun sens. J'ai l'impression de jouer à, je sais pas, jeu de merde là. Il y a plein de gens qui vont pas être d'accord que je dis ça, mais gros jeu de merde. Je crois que c'est Final Fantasy. C'est pas dans ce jeu là, t'as des grosses armes comme ça aussi. Putain. C'est terrible, j'aime pas ça. Tout comme mon âme a été bouleversée, votre chemin est morcelé. Reconstruisez mon âme et ouvrez la voie. Patos Verdes 3. Ok. Moi, je verrais bien, par exemple, on est bien d'accord que c'est... Attendez, je comprends pas. Ça tourne, ça. On est bien d'accord. Donc. Ce qui est sûr, je sais où va ce truc-là. En fait, je réfléchis, je suis intelligent, ok. Je suis vraiment une machine de guerre. Ce truc, je pense qu'il peut aller à un seul et unique endroit, et c'est celui que j'ai en tête. Je vous le dis. Je suis juste beaucoup trop puissant. Voilà, je le sais. Là, je sais que vous avez tout ça de voir, hein, que je me trompe. Je ne me trompe pas. J'ai peur, j'ai pitié que je me trompe pas. Non, mais je rigole pas. Attendez, oh quoi? Non, c'est bon, oui. Non, c'est bon. J'ai peur. J'ai peur de me tromper. Parce qu'en fait, il peut aller à trois endroits différents. Sauf que, en fait, il y a deux endroits où bah, ce sera pas bon, en fait, si je le fais comme ça. Si je le mets là, comme ça, c'est gagné. Je vous le dis. Je suis juste beaucoup trop fort en fait. Tout simplement. Donc ça va tout à droite. J'ai peur. Et pitié que je me trompe pas. Pitié. Ah, il y a moyen en plus, je suis en train de me dire. Il y a moyen. Non. En fait, j'ai pas vu les pièces qu'il y avait. C'est vrai que j'ai même pas regardé finalement. Bonsoir, Adil BG, comment vas-tu? Bienvenue. Comment ça va? Bah écoute, ça va plutôt bien. Plutôt bien. Ah non, c'est bon. En fait, j'avais pas vu qu'il y avait cette pièce, c'est bon. Donc je suis juste beaucoup trop fort. C'est complètement gagné. Celui-là, je le mets tout à gauche une fois qu'il s'est trôné. Après, je mets le double en dessous et le T en plein milieu. Voilà. C'est exactement un peu comme ça que j'ai vu les choses sans même savoir les pièces qu'il y avait. Bien trop fort en fait. Ok. Oh, ça va. Ah, ça fait plaisir. Oh yeah. Attendez, j'ai peur là. C'est quoi ce. Oh, merci beaucoup pour le follow. Le cube il dégage, je pense. Je pense que c'est notre ennemi. Il servira jamais à rien. Merci beaucoup pour le follow.
C'est très sympathique. Me demandez pas pourquoi faire ce que je suis en train de faire permettrait d'accéder à une suite de jeux. Je vraiment... Ne me demandez pas, mais voilà. Jouer sur PS2, non. Là, je joue sur PC. Après, de base, le jeu existe sur... Le jeu existe sur PS2. De base, c'est un jeu PS2. Il existe sur PS3 en remaster. Et il existe peut-être en... Il existe peut-être sur PS4 en re-remaster, peut-être. Ou alors le même remaster que sur PS3. Je sais plus. Mais en tout cas, là, moi, je suis sur PC. Voulez-vous prendre le collier? Oui. Vous avez acquis le collier des rats. C'est beau. Encore merci, mais de rien, ça me fait plaisir. Il faut savoir que le jeu n'est pas beau comme ça normalement. Le jeu est beau comme ça parce que j'ai joué sur PC et que j'ai fait ce qu'il faut pour qu'il soit beau comme ça. Mais de base, à la base, hein, le jeu est extrêmement moche. Bah à la base, il est en 4 tiers déjà. Donc... Voili voilou. Donc bon, ouais, jeu de 2005 hein, quand même. 2005. Hein. C'est si vieux. En vrai, c'est pas vieux du tout. Mais moi, par exemple, je considère qu'il y a 2000 ans, c'était rien du tout. Quoi. 2000 ans, faut se dire que c'est 20 générations. Mais où 20 générations. En partant du principe que un enfant par une personne de 100 ans. Donc, 20 générations, c'est nul. Ça, c'est rien, quoi. 2000 ans, c'est... Donc, 2005, c'est... Mais bon. C'est vieux, quand même. Pour un jeu, c'est vieux. Quoi? Ça sert à quoi, cet endroit? C'est maudit. C'est un secret là où j'ai, je pense. Non, je pense. Mais peut-être pas. Oh non! C'est le néant! Déçu. Surtout que ça a fait spawn un ennemi en plus, donc. Les développeurs récompensent qu'on soit. Ils récompensent la. Ils punissent la fouille, pardon. C'était punir le vrai mot. Alors comme ça, ça punit. Super, super. Ça fait plaisir. Je crois qu'il y a un bonus. Je le saurais. Logique, vu que tu as 547 ans. Oui. Totalement. Non mais en vrai, 2000 ans, c'est ridicule. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait quand même se mettre d'accord là-dessus, quoi. 2000 ans, c'est à chier, quoi. Moi, ça me fascine. Moi, il y a un vrai truc, c'est vraiment... J'imagine qu'un peu tout le monde, mais moi, vraiment, beaucoup, je suis fasciné à quel point, en si peu de temps, c'est nul à chier, 2000 ans. Comment, en si peu de temps, le monde a autant changé? Ça, c'est vraiment quelque chose de moi qui me fascine. C'est-à-dire que maintenant, les gens ont le droit de se mettre des concombres dans le cul, en fait, maintenant. Pour vous dire à quel point le monde a changé, quoi. Donc, C'est vraiment le meilleur exemple, hein. Je pense qu'il n'y avait pas mieux.
Mais c'est un très bon exemple parmi tant d'autres. Le monde avant. Ouais, ouais, super vite. C'est effrayant. Et on voit qu'il avance aussi, du coup, tout autant vite à sa perte. On voit que ça avance vite hein, vers la fin. C'est en spotted, quoi. Donc, ouais. Ouf. Le cul n'est-tu amélioré à fond. En tout cas, ouais, ouais. Ça va vite. Hein. Je pense avoir tout fouillé par là où je suis passé, je sais pas. J'espère. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Qu'est-ce que c'est que ce levier? Et en plus, il n'y a pas de suite. Oh oui, y a plus... oh oui, le son, il crie plus. Oh, j'ai envie de parler calmement, du coup, regardez. Ah oui. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, vous? Regardez, je ne suis plus obligé de crier. Waouh. Oh, ça... Oh. Oh, ce silence. Oh. Oh, oui. Oh, ça fait, dites-vous que ça fait 8 heures, voilà, 8 heures, quand j'entends des trucs, quand ça fait, j'ai pas fait de pause, ça fait 8 heures de jeu. Qu'est-ce qui s'est, oh non, je n'ai même pas regardé ce qui s'est passé, je me rends compte, oh non, je vais être bloqué à cause de ça, parce que je sais pas ce qui s'est passé. Si, pitié que quelqu'un me dise ce qui vient de se passer dans la map, je vous en supplie. À cause de ça, bah, je vais être bloqué. Non? Non, je vais peut-être pas être bloqué en même. Oh, je l'ai pas regardé, bah ouais, je... J'étais heureux, quoi, de ce calme, là. Où elle est où? Je crois que j'ai loupé une étape. Ça doit faire partie de ce que je viens de voir. Attendez. Mais... J'ai pas regardé aussi... Ok, ok. C'est la sauce, hein. Voilà, ça va. Oh non, non, mais je me délectais, le son. C'était magnifique, quoi, ce qui... Oh non. On peut même plus apprécier. Oh, j'ai trop aimé, par contre, le passage où... Il y avait plus de bruit, là. Oh, mon rêve, c'est de re-entendre ce... Là, j'en ai presque mal à la tête, en fait, carrément, qu'il y a du bruit. Eh, hey, mais il y a un coffre... Attendez, il y a un endroit... Non, j'ai pas été partout. Il y a un coffre que j'avais vu, que j'ai pas eu. Et quoi, lui, il vient d'où? Qu'est-ce que c'est? Quel est cet endroit? Oh, bah, c'est là. J'ai pas vu, j'ai eu 8000 notifications pile au même moment. Ah, c'est terrible. Non, mais je pense que je vais voir hein, ce qu'a changé, mais là, je sais pas. Pour l'instant, je suis dubitatif. Ok. Oh, j'en ai aucune idée. J'en ai... La musique là, non, c'est du trolling, la musique, moi non plus, aïe, personne a suivi. Voulez-vous placer le collier d'Hera sur sa statue? Bon, avec plaisir, bien sûr. Attendez, il y avait un plan comme ça, il s'était passé quelque chose comme ça visuellement là. C'est un truc comme ça qui a bougé? Du coup, pour y accéder plus tard? Là, il manque ce collier et après... Non, je sais pas. T'en supplie. Oh! Oh, les bulles, elles sont en 1040. Ça se voit que j'ai mis le jeu en 4K. Non, les bulles. J'ai jamais vu une qualité de...
même dans les jeux de maintenant, les bulles, elles seraient pas aussi belles, quoi. Oh, c'est incroyable. En plus, ça me fait penser à Mario 64, tiens, les bulles. Ça me donne envie d'y jouer, d'ailleurs, aussi. Je suis sûr qu'ils jouent à notre époque. Je suis sûr que c'est vomitif, en fait. Ouais. Moi, j'en ai un très bon souvenir de Mario 64. Donc, ouais, je sais pas. Je crois que c'était une poulie qui est descendue. Ah ouais? Bah j'espère, parce que regarde, là je suis bloqué. Hein. C'est-à-dire que si c'était pas une poulie, là je sais pas quoi faire. Hein. Bah ouais. Bon. D'accord. J'ai combien? Oh oui, je peux améliorer. J'espère qu'il y a que deux niveaux. Pitié. Surtout que s'il y a que deux niveaux, c'est-à-dire que la fin du jeu est plus proche que prévu. Quoi. Mais en vrai, je vois pas pourquoi il n'aurait plus imaginé. Non. Ça coûterait trop cher. C'est pas possible. Je peux pas y croire. Sinon, il reste. Sinon, ça veut dire qu'il reste 6 heures de jeu, quoi. Non. Niveau pouvoir, un peu plus puissant. Non. Je suis. Non. Mais pourquoi? Non. En fait, je pense que c'est le seul God of War. On peut pas tout améliorer, en fait. Je pense qu'on ne peut pas. Dans tous les autres God of War qui le précèdent celui-ci, dans l'ordre chronologique, on peut tout améliorer, je l'ai fait. Mais celui-ci, je pense qu'on peut pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, où serait descendue la poulie? Parce que là, on est d'accord que voilà, j'ai pas le collier. Oh, c'est trop loin. Oh non! Oh, ma sauvegarde! Oh non! J'ai très peur. Eh ben, on va re-aller chercher les corps. Ok. Mm-hmm. Ok. Wow! J'ai tenté, je me suis dit peut-être qu'on peut quand même au final l'attraper, quoi. Mais non. Évidemment que non. Tu pourras revoir la cinématique? Non, je ne peux pas revoir la cinématique. Non. Je ne peux pas du tout. Hormis en regardant sur internet, effectivement, si je regarde sur internet, je pourrais la retrouver. Hein. Mais j'aimerais bien ne pas aller sur internet, quoi. Mais moi, en fait, il y a forcément quelque chose ici, non? Il n'y a pas un petit truc ici? Le deuxième collier, par exemple. Quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui serait déverrouillé ici? C'est peut-être par là qu'il s'est passé un truc. Ah, c'était fermé ça, non? Ah mais non, c'est de là d'où je viens. Attendez, pourquoi en même temps j'ai l'impression que c'est pas vraiment de là d'où je viens? Si, hein, c'est là d'où je viens.
Oui, mais la caméra, en fait, moi là, ce qui me plaît pas du tout, ça me plaît pas, c'est que la caméra elle regarde dans mon sens en fait, comme si j'avais raison d'aller là. Et ça en fait, je suis pas d'accord. Hein. Ça commence à m'énerver là. Bon, j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Pourquoi la caméra me donne raison? Et là, à partir de là, la caméra me donne plus raison. Mais il y a des bruits. En bas. Comment on va en bas? Le truc qui tourne me fait penser à Mario 64. Ah oui. Ouais. Ah c'est ça? Oh! Oh j'ai trop... Oh! Oh non, fais pas faire ça! Mais c'est dingue, j'ai trouvé! Oh là 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 là. Caliente, caliente. Excusez-moi, c'est un toc de dire ça. Tu sais qu'on m'a appris ce que ça voulait vraiment dire caliente. Il faut vraiment que j'arrête de dire ça. Je suis désolé. C'est un toc, pardon. C'est pour partir, ça. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? GG, merci beaucoup. En fait, à la base, il n'y avait pas cette petite corde, effectivement. Donc, t'avais bien raison. En parlant de poulies, trucs comme ça, tu vois. Du coup, tu m'aurais pas dit que tu croyais que c'était un truc comme ça. Peut-être que tout le long, j'aurais été en mode. Tu vois, je serais passé devant la corde et j'aurais pas fait attention, quoi. Donc, grâce à toi. Oh non, ça bug! Non, allez! Qu'est-ce que c'est que ça? Je pense que je vais mourir. Quoi? Ok, en fait, le problème, vous savez ce que c'est le problème? C'est que c'est du pixel perfect. Ok. Ok. C'est pas un problème. Y a pas de problème. Le problème, c'est que c'est un jeu un peu à chier, quoi. Il pue un peu la merde. Alors du coup, le problème avec ça... C'est que souvent quand tu veux attraper le cube, ça bug. Donc tu perds 100 millisecondes, et perdre 100 millisecondes, c'est mourir. Donc un peu chiant. Ok, là c'est pas mal. Oh, là je suis bien, non? Mais what? J'y étais. Oh. J'y étais, honnêtement, je juge. Ah ouais, c'est chaud, ouais. C'est un peu abusé. Mais ah putain, bah, c'est autant mourir en fait, voilà, ça ne sert à rien. Ça a bugué. On voit quoi que tellement Kratos est puissant qu'il sort de l'eau, il n'est pas mouillé. Ah oui. Ah bah bien sûr. Tu sais, quand on a de la testostérone, ce qui n'est pas très commun en 2022, vous voyez, en 2022, les gens ont des oestrogènes, peu importe qui ils sont en fait. Ils soient un hélicoptère, d'après ce qu'ils se disent, hein, un hélicoptère, une fougère, une voiture, un concombre. Un nuage, un connard, un gros connard, une grosse merde, ou un homme ou une femme, les gens ont tendance à ne pas avoir beaucoup de testostérone ces temps-ci. Donc effectivement, en fait, un homme testostéroné, qu'est-ce que c'est? C'est un homme qui a chaud. Un homme qui a chaud, qu'est-ce que c'est? C'est un homme qui fait évaporer de l'eau au contact, en fait. Voilà. Par exemple, moi, dès que je touche de l'eau, ça fait de la fumée. Voilà.
Il faut le savoir, hein. Il faut le savoir. Et allez, bah c'est perdu, je pense. Après, peut-être que... Non, mais... Mais... Je peux pas faire mieux. C'est-à-dire qu'il soit plus proche ou moins proche, ça revient au même. Mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Mais... Je crois que j'ai perdu trop de temps. Oh non! Non mais connard! Ben je peux, voilà. Je peux même plus l'attraper, mais... Si ça buguait pas, l'énigme... Enfin l'énigme, le défi, d'accord, mais là quand même, putain... Je pense que le cube est trop collé au mur. Comment ça, quand... À la fin, là? Ah bah non. Ça change rien, normalement. Justement, plus il est proche, enfin... Moins on prend le risque qu'il soit trop loin, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Déjà, ce qui est sûr, c'est que c'est un coup de pied par ligne droite. Non. Par ligne droite, un coup de pied. Là, il faudrait que je mette là direct. Voilà, très bien. Mais j'ai perdu un peu de temps, hein. Parce que c'est bugué. Les changements de caméra me font perdre du temps, hein. Non. Oh ! Merci à tous. Bienvenue. Oh oui ! Oh, replumez-vous! Ça y est, je suis amélioré à fond. J'ai toute la vie, toute la magie, j'ai tout... Qu'est-ce que j'ai de... J'ai un autre truc en tout aussi, je sais plus ce que c'est. Bon, j'ai tout. Oh, 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 oh. Voulez-vous prendre le collier? Oui! Oh, les animations PS1. Le collier d'Aphrodite. Attention, ça pique! Oui, merci. Merci bien. GG, merci, merci. Vous êtes très sympathique, vous savez. Bon, ça me fait plaisir, ouais, d'avoir réussi quand même assez vite, parce que... Pff, quel enfer, quel enfer. Oh, ça va tellement vite! Oh, ça va tout seul? Ah non, il y a de l'inertie. Ok. Ah bah, j'y étais. Quel est cet endroit maudit? Est-ce que je reviens... Quoi? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Où suis-je? J'ai un reste de map, là. Il m'attend. Qu'est-ce que je fais ici? Jamais attrapé. Je peux rien esquiver, je comprends vraiment pas pourquoi. Mais attention, s'ils vont m'énerver, ça va partir très vite. Préparez-vous. Vous savez quoi? Je suis énervé. Oh là, regardez. Oh là là, quel énervement. Voilà. Oh, terminé. Attendez, mais ça a pas marché? Mais il a pas marché, le pouvoir, là? Oh non! Mais c'est quoi, cette arnaque, là? Attendez, je réessaye? Ah non, c'est qu'il y a plein d'autres ennemis! Oh, il les tue d'avance! Il les a tous tués! Oh, c'est du génie. J'ai glitché le jeu. C'était pour après, mais j'étais déjà eu.
Bah alors ? Pas mal ce pouvoir là. Bon, il leur coupe peut-être pas les ennemis dans leur stratégie. Bon. Ça c'est un autre problème, mais bon. Ça n'en finit jamais. Hein. Non mais... Oh, ça donne plus d'or, il y a quelque chose à faire. Ok. Je crois qu'il faut juste y aller. Faut aller là-haut. Parce que si ça donne pas d'orbe, c'est que... C'est que c'est terminado. Ici, par contre, je pense... Ouais. Je pense qu'on peut faire ici d'abord. Mais là, on a un gros problème. Là. Ça pique. J'aurais pas aimé me la prendre celle-là personnellement. Moi, ce qui me ferait, c'est qu'avec le lore de ce même God of War, hein, c'est ce God of War qui nous apporte ce lore en premier, chronologiquement, dans tous les God of War. Hein. C'est là, mais il ne peut pas les enlever, Kratos, en fait. Et en même temps, bah, il arrive à les faire disparaître dès que je prends cette arme. Donc je sais pas où est-ce qu'il se les range, mais je pense qu'on est bien en 2022. Hein. Pas sûr, mais je crois. J'essaie encore d'y réfléchir. Essayez d'y réfléchir avec moi, mais... Je pense que... Il se passe des choses. Toujours plus long les combos. Lui c'est le dernier, hein, ça se voit. Voilà. Ok. Donc ça c'est les fameux mecs qui étaient en bas, c'est ça. Là où je voulais tomber, donc là je vais remonter à l'endroit qui va me ramener... Bon, je me... vous voyez ce que je veux dire. Si vous avez suivi, vous voyez. Attendez, mais... Quoi ? C'est quoi cet ascenseur exactement ? C'est l'échelle, je comprends bien. Je comprends bien que c'est là où je dois aller. Mais c'est quoi cet ascenseur ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que je peux le faire dans les deux sens ? Si oui, j'y vais. Ok, ouais, bon. Ok. Désolé, joyeux. Aïe, 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 pas de soucis. Bah écoute, merci beaucoup d'être passé, d'avoir follow. Très gentil. Donc, gros bisous à toi, bonne soirée, bonne nuit, fais de beaux rêves. Et puis peut-être à très bientôt. Voilà, moi normalement, bon, ça arrive que non, mais normalement je stream tous les jours. Voilà, donc. De quoi s'amuser. Qu'est-ce que c'est que... Mais où est-ce que je suis, là? Mais... Ah, mais non, mais... Ah, mais je suis revenu en arrière. Attendez, je suis... En fait, je suis tellement fort. Ouais, vous savez, voilà. En fait, ça, c'est le début de la map. C'est le tout début. Aïe, 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 aïe. Ah, d'accord.
quelle idée de remettre le tout début à portée de la fin, en fait. Cela, c'était clairement la fin de la map. Quelle idée ! Moi, vous savez, je pouvais pas empêcher d'aller voir. J'ai sauvegardé juste avant, on est d'accord, hein, j'espère. Hein, pitié, oui. Moi, je me souviens que oui, mais peut-être que non. Oh, bleu, ouais, ça change pas. Non. Ce n'est pas terrible, hein. Putain, ça dure longtemps. Là, honnêtement, la durée du jeu a dépassé ce que j'avais prévu. Là, vraiment. Mais le jeu est censé pouvoir se finir en 9h. Moi, on m'a dit 7h, mais moi, le temps que je l'ai vu, c'est 9h. Voilà, 9h. Bah là, 9h, c'est dans 30 minutes, quoi. Il reste peut-être que 30 minutes de jeu. Sauf que, en même temps, ça fait un peu 2h10 que, éventuellement, il reste 30 minutes. Non, 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 je savais que non. Mais bon, on voit l'idée du truc, quoi. Donc j'ai un peu peur. Bonsoir, Aphrodite. Nous ne vous avons pas encore vu dans ce jeu, mais... C'est bien délicieuse, ma foi. Ok. Ce qui m'étonne, c'est que c'est pas tout activé. Faut le réactiver. Ah, faut le remettre. J'étais mort et ça... Ah oui, d'accord. Ouais. Attention, surtout. Oh non, ouais, d'accord, bah ouais, ouais, forcément. Oula. Fallait bien qu'il y ait une petite nuance, hein. Feu bleu. Attention, peut-être du lore, attention. La voie était maintenant dégagée pour Kratos. Cependant, les souvenirs continuaient d'affluer, aussi familiers et permanents que les lames fixées à ses poignets. Il se souvenait de ce qu'il avait fait au nom d'Arès, de la façon dont il était devenu le serviteur du dieu de la guerre. Une bête, son humanité volée, et remplacée par une seule volonté, celle de tuer. Personne n'était à l'abri. Des armées tout entières tombèrent devant Kratos et les soldats qui le suivaient dans ses incessantes conquêtes. Toujours au nom de son maître. Ceux qui offraient la moindre résistance voyaient leur sort réglé rapidement. Ils ont érigé ce temple dans le but de prier Athéna. Ce village tout entier est un véritable affront au seigneur Arès. Brûlez ce village de fond en comble! Encouragée par le dieu de la guerre, l'armée de Kratos était impitoyable et crainte dans le monde entier pour sa brutalité. Tout ce qui importait était de conquérir au nom de Kratos, leur chef incontesté devenu quasiment invincible. Ils n'avaient peur de rien. Mais il y avait quelque chose à propos de ce temple, quelque chose d'interdit. Son instinct lui disait qu'il ne devait absolument pas en franchir le seuil, ne jamais y pénétrer. Attention, Kratos. Les dangers du temple sont bien plus grands que vous ne le croyez. Mais l'avertissement de l'oracle du village fut inutile. Son ambition ne serait pas contrariée. Tous ceux qui s'opposeraient à lui mourraient. Le cri de Willem. On l'a entendu deux fois dans le jeu. À cet instant, la gloire dont il se délectait se transforma en horreur. L'image de ses deux dernières victimes,
resterait avec lui jusqu'à la fin de ses jours. Après cet acte, Kratos savait qu'il ne pourrait plus jamais être au service de son maître. Il n'avait plus qu'une obsession maintenant, la mort d'Arès. Il se chargerait de tuer le dieu de la guerre. Arès, vous mourrez pour ce que vous avez fait.